La proposition d'un nom pour être Premier ministre n'est pas prioritaire pour la mouvance Affelbert, d'après Maurice Bérente de cette mouvance. Lui de préciser que la feuille de route signée le 16 septembre n'est qu'une étape dans le processus de sortie de crise et que ce n'est pas encore la vraie feuille de route. Au sein de la mouvance, nous avons décidé de ne pas discuter du choix de ce Premier ministre. Si le Premier ministre devait nous revenir, c'est le rôle du président Albert Zaf de désigner. Telle a été la décision de toute la mouvance. Je vais vous dire pourquoi. Madagascar a toujours souffert de problèmes de leadership. Nous travaillons tous les jours pour que les membres, les militants, puissent évoluer dans la sérénité au sein de la mouvance. Il arrivera le moment où le président Albert Zaf aura décidé si la désignation du Premier ministre nous revenait. À ce moment-là, il prendra ses responsabilités. Pour la mouvance Ratira, qui n'a pas signé la feuille de route, il n'était besoin de lobbying ni de proposition de nom pour être Premier ministre, selon les explications de Ange Andenarsou. Enfin, la mouvance Ravalomanana n'a préféré ne rien dire sur ce sujet. Cette mouvance attend encore le retour de la délégation qui a assisté à la réunion avec la SADC à Pretoria.